vous avez souhaité les inviter, c'est ça? Comment c'est une idée qui vient de vous, hein? Oui, c'est vrai. En fait, c'est parce que il y a 20 ans, quand j'étais à Darnétal, j'étais habitant de Darnétal, on a vu la chance avec la mairie, avait organisé un voyage pour aller voir le PSG foot au Parc des Princes. Et c'est quelque chose, moi, qui m'avait marqué. On était parti en car, c'est des choses que l'on ne faisait pas, en fait. Et cette opportunité-là, je m'en étais souvenu. Et donc là, l'opportunité de célébrer un premier titre de champion de France, quelque part, et cette Coupe de France avec mon club de basket, je me suis dit, ça peut être une bonne occasion de refaire la même chose, un petit peu, dans le même style d'opération, avec des jeunes de Darnétal. Par contre, je sais que les billets sont quand même chers et que tout le monde n'a pas la possibilité de se l'offrir. Donc j'ai proposé à la ville de venir en contribution pour aider les enfants qui souhaiteraient venir. La ville de Darnétal, évidemment, en partenariat avec eux, vont fournir des équipements. Et puis on va prendre en charge la très très grande partie des billets pour leur permettre d'accéder à ce match. Mais c'est quelque chose de bien. Et puis on va avoir un t-shirt collector, je vais le faire dédicacer par les joueurs, on va leur offrir, enfin... Je pense que c'est bien et ça va marquer, je pense, les enfants, et ça leur donnera peut-être des vocations, et c'est exactement ce que je recherche aujourd'hui.